Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, ravi de vous retrouver pour ce BFM TVSD dont voici le sommaire ce soir. Et d'abord Stéphane Tapie en direct avec nous. Dans un instant, il nous donnera des nouvelles de son père Bernard Tapie et de son épouse. Tous les deux ont été violemment agressés chez eux cette nuit en Seine-et-Marne. Quatre malfaiteurs, d'après nos informations, les ont frappés et ligotés. Le couple Tapie est particulièrement choqué. C'est Dominique, la femme de l'homme d'affaires, qui a visiblement réussi à donner l'alerte en se réfugiant chez les voisins. On fera donc le point sur l'enquête dans un instant et Stéphane Tapie, le fils, sera avec nous en direct. Au sommaire également de BFM TVSD, dans une dizaine de minutes, Yannick Jadot, député européen Europe Écologie Les Verts, il rêve de refaire l'union de la gauche à la présidentielle. Il nous dira comment. On parlera aussi avec lui de la dernière polémique des propos de la maire écolo de Poitiers. Elle considère que l'aérien ne doit plus faire partie des rêves d'enfants aujourd'hui. 19h, dans une heure donc, avec nous Philippe Juvin, chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris. Comment vont les urgences en ce week-end de Pâques, plus ou moins confinées? Est-on allé suffisamment loin dans les mesures de restriction et croit-il un début de réouverture du pays d'ici la mi-mai? Ce sera donc dans une heure. Voilà pour le sommaire. À 18h, le journal c'est avec vous, Alice Darfeuille. Bonsoir Alice. Bonsoir Maxime. Et on commence donc avec ce cambriolage des époux Tapie dans leur maison en Seine-et-Marne. Cambriolage d'une extrême violence au cours duquel le couple a été frappé et ligoté. Bonsoir Anthony Lobos. Vous êtes rue des Saints-Pères devant le domicile parisien des époux Tapie qu'ils ont donc rejoint entre-temps avec plusieurs membres de la famille. Que sait-on ce soir Anthony? J'entends plus rien. Anthony Lobas, est-ce que vous nous entendez, Anthony? Vous êtes donc devant le domicile parisien des époux Tapie qu'ils ont rejoint en fin d'après-midi. Anthony, est-ce que vous nous entendez? Non, visible. C'est bon. On vous entend, Anthony. Je vous disais donc que les époux Tapie sont derrière vous avec plusieurs membres de la famille. Qu'est-ce que l'on sait ce soir, Anthony? Le couple Tapie, effectivement, qui a regagné son domicile parisien vers 16h en ambulance, escorté par 6 motos. On a également aperçu les enfants de Bernard Tapie arriver. Le couple Tapie qui a été donc violenté la nuit dernière vers 00h30 dans leur résidence secondaire de Comblaville en Seine-et-Marne. Quatre malfaiteurs cagoulés se sont introduits par effraction par la fenêtre arrière. Ils ont surpris le couple dans son sommeil. Bernard et Dominique Tapie ont été molestés, ligotés avec des câbles électriques. Bernard Tapie, atteint d'un cancer, a reçu un coup de matraque sur la tête. Dominique Tapie a été tiré par les cheveux. Les malfaiteurs sont ensuite repartis avec leur butin, des montres et des bijoux. Après la fuite, Dominique Tapie est parvenue à se défaire de ses liens. Elle s'est rendue chez sa voisine et c'est sa voisine qui a donné l'alerte. Les pompiers et les policiers sont ensuite arrivés sur place. Dominique Tapie a ensuite été brièvement emmené à l'hôpital de Fontainebleau avant de regagner sa résidence secondaire. Bernard Tapie a lui refusé d'être emmené à l'hôpital. Le couple est ensuite resté plusieurs heures dans sa résidence secondaire de Seine-et-Marne, entouré de leurs proches, avant de regagner vers 16h son domicile parisien, ici où je me trouve. Une enquête a été ouverte pour vol en bande organisée, séquestration et association de malfaiteurs. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Versailles. Ce soir, les investigations sont toujours en cours pour retrouver les quatre malfaiteurs. Anthony Lebos en direct pour BFM TV. Dans un instant, je vous le rappelle, en exclusivité sur BFM TV, Stéphane Tapie, le fils de l'homme d'affaires, sera avec nous pour nous donner justement des nouvelles du couple. La réaction du ministre de l'Intérieur à présent, Maxime, après ce reportage de nos confrères de M6 sur ces soirées clandestines. Immédiatement au préfet de police de Paris d'enquêter sur les faits qui sont annoncés dans ce reportage. Soit ils sont faux et il ne faut pas jeter l'opprobre, évidemment, soit ils sont vrais et qu'il n'y a pas deux types de citoyens avec ceux qui auraient le droit de faire la fête et ceux qui n'auraient pas le droit de le faire. Il faut respecter les règles sanitaires. La crise sanitaire, justement, plus d'école depuis vendredi, plus de commerce non essentiel depuis hier soir. Peu à peu, le confinement, le troisième confinement étendu à tout le territoire se met en place. Il reste cependant encore un jour de tolérance pour les déplacements, notamment interrégionaux. Après cela, petit rappel de ce qui sera autorisé ou pas avec Maëva Lamy. C'est le principal point sur lequel portent les restrictions, les déplacements. Première règle, ils sont autorisés dans un rayon de 10 km autour de son habitation. Pas besoin de motif dérogatoire ni d'attestation, un justificatif de domicile suffit.
Certains déplacements sont également permis dans une limite de 30 km pour effectuer des achats de première nécessité, retirer une commande, effectuer une démarche administrative ou encore se rendre dans un lieu de culte. Cette fois-ci, une attestation est nécessaire, un document disponible dans une version simplifiée sur le site du ministère de l'Intérieur. Enfin, des déplacements sans limite géographique sont également autorisés. Pour une activité professionnelle, une consultation médicale, un motif familial impérieux, une mission d'intérêt général, une convocation administrative ou encore un déménagement. Toujours avec une attestation, mais aussi un justificatif attestant de votre motif. Des règles qui s'appliquent en dehors du couvre-feu, en vigueur entre 19h et 6h. Durant ces horaires, les déplacements sont interdits, sauf motif impérieux. Enfin, autre changement, la vente d'alcool à emporter par les bars et restaurants est désormais interdite en Île-de-France, sauf en accompagnement de la vente d'un repas à emporter. Et c'est dans ce contexte particulier, Alice, qu'ont eu lieu aujourd'hui les célébrations de Pâques. Avec cette image, notamment le pape qui a pris la parole lors de son homélie depuis la basilique Saint-Pierre, quasiment vide à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur, vous le voyez, la place du même nom était déserte, puisque l'Italie est retournée en confinement strict. Le pape qui a évoqué la crise sanitaire et notamment appelé la communauté internationale à partager les vaccins avec les pays pauvres. Le parquet national antiterroriste en France a ouvert une enquête après l'interpellation à Béziers de 5 femmes, dont une est soupçonnée d'avoir voulu commettre une action violente. Les 4 autres sont en fait des membres de sa famille. Elles sont toutes les 5 en garde à vue. La personne ciblée par les enquêteurs est une femme de 18 ans, jamais condamnée pour terrorisme. Sur place, des produits pouvant entrer dans la composition d'explosifs ont été retrouvés. Ils sont en cours d'exploitation. Un mot de la météo, Alice. Demain, ce sera gris sur le nord et sur une large moitié sud. La matinée restera largement ensoleillée. Effectivement, beaucoup plus ensoleillée dans le sud de la France. On va voir côté température ce que ça va donner. Température en baisse au sud, moins 1 degré à Aurillac, il fera 1 degré du côté de Reims, mais aussi à Strasbourg, 4 à Lille, 6 degrés à Toulouse et à Marseille. La maximale, ce sera à Perpignan avec 12 degrés. Merci Alice, vous revenez tout à l'heure à 19h.